Ok, alors voyons un petit peu ce que tout cela donne. Alors, monitor. Elle m'a fait peur la chauve-souris. Monitor, point de voix. Bien sûr. Alors, on va l'éditer directement ici. Qu'est-ce que j'ai oublié? Eh ben, c'est tout con. En bas, j'ai oublié le main. Alors, évidemment, attendez, parce que voilà. Lua Editor me demande si je veux. Enfin, il me signale que le fichier a changé, donc évidemment, il n'est pas content. Monitor Lua. Voilà. Donc là, j'ai récupéré simplement les données depuis mon serveur web. Et tout cela marche très bien. Ah, c'est embêtant que c'est pas bien aligné. J'aurais aimé que ce soit aligné. On va modifier ça rapidement. Donc simplement pour modifier. Il me faut juste. Ceci, qu'on va placer au-dessus. Voilà, ça l'a arrêté. Edit Monitor Lua. Et voilà. Alors ici, on va remodifier un petit peu. On va mettre plusieurs espaces. Voilà. Comme ça, au moins c'est bien aligné. Et c'est plus propre. Contrôle Save. Ok. Lua Edit est pas content. Lua Edit a décidé de crasher. Ça fait rien. Ça arrive de temps en temps. Lua Edit 2012 est pas encore optimal. Enfin, n'était pas encore optimal. Je sais pas si. Je vous dis, je sais pas s'il y a une version plus récente. Hop. Ah, logique. Voilà, au moins là, c'est propre. Et si je relance la tortelle? On va juste récupérer le contenu. Voilà, vous voyez donc on a l'état de la tortelle au moment où on est actuellement. Donc, le nombre de blocs qui lui reste à miner, donc sur. Sauf que t'es pas sur le retour là. T'es sur l'aller. Ok, il y a une erreur par contre. Elle pense qu'elle est sur le chemin du retour alors qu'elle est sur le chemin de l'aller. Donc il faudra remodifier ça. On pourra aller dans Kathleen, de toute façon on pourra la rechanger, c'est pas un problème, mais bon. Ouais, normalement elle devrait se croire sur le chemin de l'allée. Ou alors attendez, c'est juste parce que je suis trop con. C'est ça, c'est parce que je suis trop con. Donc il faut remettre un save stat après à la fin du while, quand le programme s'arrête en fait, normalement. Comme ça au moins c'est tranquille. Donc là elle est bien sur le chemin de l'aller, mais elle se croit encore sur le chemin du retour. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va se planter. Elle va se planter. Donc il faut que je modifie ça. Est-ce qu'elle va se planter? Elle va tourner du mauvais côté tout à l'heure. Ouais, qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là toi? Reste là, reste là. Reste là. Ok, alors juste je vais la replacer. Donc, et je vais directement. Alors, l'avantage de faire ça, c'est que je peux directement aller
dans le bah, dans phpMyAdmin pour directement aller modifier la stat. Donc là, tu es sur le chemin de l'aller. Voilà. Hop, ligne affectée, ok. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Là, elle est bien sur le... Sur le bon truc. Mining Lua, allez, hop. Elle est repartie. Et donc là, elle va continuer là où elle s'était arrêtée. Mais au moins là, normalement, devrait plus y avoir de problème. Ici. On va reposer un chest. Voilà. Voilà. Et après, on va quitter les profondeurs parce que c'est vrai qu'on est un peu claustro là-dedans. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, ce voilà, vous voyez donc la stat, donc il est bien sur l'allée. Hein. Donc, et il lui reste 45 blocs à miner. Donc, de toute façon, j'ai labellisé cet ordinateur, donc je peux très bien le remonter en haut sans problème. J'espère juste c'est que ben, la turtle n'est pas trop haut, enfin est pas trop loin. De façon à ce qu'elle reste chargée. Parce que sinon c'est embêtant. Sinon je vais devoir installer un autre mode pour qu'elle reste chargée. C'est emmerdant. Voilà, bon. Sinon, voilà, ça marche plutôt bien. Attendez, je regarde juste un truc. Non, ça a pas l'air de... Ah, voilà, je l'ai. Alors, mince. Excusez-moi. Apache. Ah non, ça va, ça consomme pratiquement rien en temps processeur en fait, en plus. Ouais, non, ça va, en plus ça consomme que dalle en temps processeur, donc... je m'attendais à ce que ça utilise un petit peu... Enfin, c'est en local, hein, donc niveau carte réseau, je me faisais pas de soucis. Mais par contre, niveau processeur, je voulais voir si c'était pas trop lourd de faire communiquer le serveur web avec... avec Minecraft. Mais non, ça tient le choc, ça tient le choc. Ça tient le choc même plutôt pas mal. Donc voilà. On a fait un second programme déjà. On va voir éventuellement un autre programme pour... La canne à sucre ici. Faut que je voie comment on peut faire. Mais je pense basiquement qu'on va faire en sorte simplement quand elle. Ça faudrait que je le dégage. Faudrait que je le mette ailleurs. Simplement on va mettre un coffre en dessous à chaque fois. Et on va lui dire. Que tant qu'elle n'est pas sur un coffre, elle doit faire demi-tour et attendre 20 minutes avant de repartir. Je pense qu'on va faire ça. C'est un truc tout bête, hein. On va faire bah, un petit peu comme j'avais fait bah, sur Dire Wolf, hein. Mais là j'ai un champ de canne à sucre pas très grand. Quoi qu'on pourrait, on devrait le faire en surface, ça. Mais bon. Voilà. Alors, un autre programme qu'on devra faire, donc simplement ici, hein, ce sera l'objectif, ce sera de creuser une longue galerie avec des hoppers tout le long. Et quand la turtle passe sur un hopper, ben, elle vide son stuff et puis ben, elle continue à miner, quoi. Ce sera ça à la fin. Puis donc les hoppers vont ben, simplement avec. Alors là, j'hésite après. Après j'hésite. Soit on met une turtle qui remonte elle-même jusqu'en haut. Et donc qui va faire des allers-retours pour ramener les ressources en fait.
Ça pourrait être sympa, hein, ça fait une animation, ça peut être sympa, mais ça consomme du charbon. C'est le problème. Soit on fait un basique ascenseur item avec des droppers. Donc le problème des droppers, c'est que c'est plus coûteux, mais pas en charbon. Et c'est un peu plus gros quand même, parce que ben, il faut l'ascenseur à redstone à côté. Voilà. Bon, avec les tortelles, avec la tortelle, ça pourrait être sympa. Hein. Franchement, ça pourrait être sympa. Faut juste vérifier son niveau de carburant. Bah, au départ, je voulais faire tenir le truc sur un seul écran, mais ça aurait pas tenu. Ici, j'ai une source d'eau infinie. Ouais, je pense que vous l'avez remarqué. Je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Enfin, si, je sais ce qu'on pourra faire d'autre, mais ici, je veux dire. Ici, là, on va pas pouvoir faire grand-chose de plus. Donc, je propose c'est qu'on récupère tout ça et qu'on aille en surface bah, pour se faire bah, le champ de ouais, enfin la culture de fruits et légumes, enfin de légumes. Simplement. Et pour le reste, on verra bien. Et de canne à sucre, évidemment. Bon, on récupère ça pour le mettre en haut. Comme ça, au moins, on aura l'œil sur la tortelle en permanence. Allez, on va faire ça. Hop, hop. Voilà, on remet la torche quand même, faut pas déconner. Et on va remonter. Ah, ouais, et logique. Donc oui, hein, la montée, j'ai remis des escaliers, comme ça au moins. Attends, on a l'impression de remonter, genre, quand je suis en vitesse x8, là. Bon, voilà, alors, on va se mettre là. Où est-ce qu'on peut se mettre? Ah, j'avais envie de me mettre là-haut, mais en fait, faut pas trop que je m'éloigne de la tortelle. Juste, je suis à quel niveau, là? Je suis au niveau 63. Ok, elle fonctionne toujours, visiblement. Ouais, elle fonctionne toujours. Hello, vas-y, rapproche-toi. Tu me toucheras pas, tu me toucheras pas. Allez, rapproche-toi. Oh là, l'enfoiré, comment il a fait? T'es à moi, t'es à moi. Oh l'enfoiré. J'arriverai pas là. Voilà. C'est tes os qui m'intéressent. Alors, et pour finir, donc la tortelle. Alors, la tortelle. Bien sûr, j'ai laissé l'iron en bas, comme un con. Alors, attendez, parce que c'est une Ah, c'est pas tortelle qu'il va vrai. me falloir. Donc, en fait, la tortelle sera ici. Et elle doit faire des allers-retours. Et j'ai pas de bouffe. Bon. On y retourne. Donc il va me falloir deux tortelles, hein, de toute façon. Donc. Il va me falloir donc ça. Du bois j'en ai, de l'iron. Et il va me falloir. Est-ce qu'une pelle suffirait? Normalement, une pelle devrait suffire. L'appel. Ensuite, on a donc la tortelle.
Ça, Oui, on bien va être sûr. tranquille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Donc ici, on va poser, hop, ça, le chest qui a explosé. Donc pour le moment, on va remplacer par un basique, hop, et on va faire, hop, voilà. Level 7, canne. Donner la canne, farm. Voilà, et puis on va faire donc edit canne farm. Point lourd pour le moment. À la fin, on remplacera tous ces noms de programmes-là par des startups, hein, simplement. Enfin, on fera des copies en startup, quoi, c'est tout. Hop, fonction main. Hop, end. Ctrl S, Ctrl exit. Ok, alors, tout ce qui me manque, c'est juste un second coffre. Et le problème, c'est je vais manquer de bouffe. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. Je vais me balader par là certainement parce que de l'autre côté il n'y a rien, je le sais. Ah oui, alors si, on va arrêter un petit peu la programmation, on va partir sur de l'aventure un petit peu, un tout petit peu. Je sais que c'est pas le but de la série, mais j'ai vu qu'il y avait, comment dire, un mineshaft. Qui dit mineshaft, bah, dit nourriture. Voilà, parce que la nourriture, c'est vrai que ça commence à vraiment être la misère. Donc j'ai vu un mineshaft, on va aller le conquérir. Ce que je vais faire, c'est... Alors, je sais, alors, je saurais le retrouver. Ah. Je suis trop surchargé pour aller à l'aventure d'un mineshaft, en fait. Faudrait que je me vide. De toute façon, je saurai le retrouver. Je vais me faire un coffre ici. Là où j'en ai pas besoin, ça non plus, ça non plus. Ça, je vais en avoir besoin. Et ça, vu que c'est un mineshaft, j'en ai besoin. La pioche, ce serait bien d'en avoir une seconde. Ok. Et sauf que, alors, normalement, si c'est comme dans Dire Wolf, on va avoir des programmes, on pourra récupérer des programmes dans le mineshaft. Alors, le mineshaft se trouve dans une crevasse, c'est pour ça que je l'ai vu. C'est en me baladant par là, chercher de la bouffe, hein, simplement, hein, et puis je suis tombé sur une crevasse par là, normalement. Et si je tombe... Alors attendez, parce que c'est bien en 1.8, hein, de toute façon que les moutons donnent... Ouais, là j'ai juste de la laine, j'ai pas de... Ouais non, j'ai pas... Bon, je vais me prendre 3 laines quand même. Et donc, non, c'est pas là, ça doit être plus... Voilà. Voilà la crevasse. Évidemment, vu qu'on joue quand même en facile. Je trouve encore le moyen d'être en difficulté alors qu'on est en facile. Ouais, c'est mieux, jamais j'ai oublié de poulet là. Bon.
est où? Elle est là. Non, non, à moi les steaks, à moi les steaks. Et à moi le cuir aussi. On est à deux pas. Je vous garantis qu'on va y aller d'ici peu. C'est juste qu'il faut que je me nourrisse, hein, tout simplement. Ah bah ça fait du bien, tiens. Allez. Ouais, par contre la tortelle a dû s'arrêter, je dois être trop loin là pour la tortelle. Hein. Mais bon. Ah, il y a une partie qui a cramé de la... Comme ça au moins on est tranquille là-dessus. Alors juste il faut que je trouve bon, on trouvera bien une solution pour descendre avec le seau d'eau assez facilement. Allez. Bon, en remontant on récupérera. La nuit tombe, je vais pas rester ici trop longtemps. Allez, hop. Ok, déjà ça commence bien, on a un spawner ici. Il est où mon second saut? J'ai pas pris mon second saut. Ah, c'est pas vrai. Bon, allez, hop, ici, il y a une entrée. Ouais, allez. Ouais, allez, torche à droite. Bon, ok, ici, il n'y a rien. Oui, c'est bon. Ok, alors là on a... Ah voilà, donc on a bien des problèmes. Donc Battleship... ok, je connais pas, mais ok. On a des graines de pastèque, une pioche en pierre. Ça c'est nickel, je vais quand même récupérer ça. Ok, ici y a rien. Coucou. J'ai eu de la chance. Bon, j'utilise la bonne vieille technique de toujours tourner à droite. Hein. Ça c'est un petit truc si vous connaissez pas. Enfin, normalement tout le monde connaît. Hein. C'est pas. Là j'ai pas vu. Normalement pour pas se perdre dans un labyrinthe, ce que vous faites c'est que vous tournez toujours à droite. Vous posez votre main sur le mur de droite et vous marchez toujours en suivant le mur de droite. C'est une astuce. Et au bout d'un moment, vous êtes censé trouver la sortie ou vous revenir à votre point de départ, quoi. Je crois qu'il y a un zombie qui a un projet hostile pour mes fesses. Exact. Bon. Oh, c'est pas vrai. J'ai dégagé.
Au revoir. Je sais pas ce qu'il a eu. Ouais, après je quitte le... Après je quitte le mineshaft. Allez, hop. Oh, original comme concept. Survivre, bordel. Dans ce monde de merde. Bon bah là je suis paumé. Nope, je vais pas descendre plus bas. Non 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 non. Ok, alors. Ok, je suis là. M'en fous, je l'ai eu. Ah, cool, du pain. Allez, hop. J'ai ce qu'il faut. Bon, allez, hein, on a fait le tour. De toute façon, j'ai ce que je voulais. Je voulais 2-3 programmes et puis... Ouais, vas-y, prends plus au moins où. Ouais, évite de me tirer dessus à côté de là, par contre. Ah non, c'est une araignée. Oh, c'est bon. Bon écoutez, on a eu 2-3 programmes, j'aimerais bien les voir quand même les programmes. Je suppose qu'on peut les... Qu'on peut faire un edit hein, dessus hein, pour pouvoir voir le contenu. Normalement on peut. Parce que ça reste du lois normalement. C'est pas... Ok, alors il va falloir que je me débarrasse de certaines choses. Voilà. Une carte. Alors la tortelle. Et ben elle s'est déchargée, comme je m'en doutais. Donc c'est comme ça, faut aller la relancer. Donc de toute façon je pense qu'elle fonctionne. Donc on va la mettre sur le startup. Et on va s'attaquer au programme suivant. Comme ça en fait il n'y a que quand on est à proximité qu'elle mine. Bon bah tant pis, hein, on se met à FK pas loin et puis c'est tout. Hein. Elle mine pour nous quoi. Allez là. Alors, CP mining point de voie en startup. Et puis par reboot. Ah ouais, par contre, t'es pas configuré correctement. Comment ça se fait qu'elle a perdu tout son... Ah ouais, c'est le chest que je veux. Eh, où tu vas comme ça? Ah ouais, non, oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est parce qu'elle mine, voilà. Parce que les chests étaient décalés déjà depuis un bout de temps, mais bon. Mais il n'y avait rien. Ouais, là elle s'est vidée mais... Il n'y avait pas de ressources sur cette ligne là. Ah d'accord, ok. Ouais non, c'est parce qu'évidemment elle a tout vidé. Bon. Bon, j'ai perdu une ligne de... Bon, de... Parce que j'ai mal configuré là. Ouais voilà, tout a disparu. Ah c'est con. Bon, ça fait rien mais... Mais ouais. J'ai des coffres sur moi. J'en ai un. On va juste aller un peu plus loin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, de toute façon, elle va au moins aller jusque là. Voilà.
Donc là, elle va aller jusque là. Et elle se videra. Allez, alors. Donc vous vous êtes dit pourquoi je l'ai posé aussi haut. C'est simplement parce que à chaque fois, on va miner un coup devant, un coup en dessous. Donc en dessous, voilà. Hein. Donc on va miner à chaque fois les deux... Les deux en dessous. Donc on va quitter le jeu et se mettre sur le programme de la canne farm. Tout de suite. Voilà. Ok, et donc nous nous retrouvons. Alors j'ai codé le programme, je ne l'ai pas encore testé, mais je l'ai fait hors caméra. Parce que j'étais parti manger et je l'ai fait en mangeant. Donc voilà. Donc... J'ai repris le refuel et le drop all de la turtle mining. Donc c'est le même programme. À ceci près que le refuel se fera sur le select 15, donc sur le 15e truc. Et que ben on fera un drop all sur les coffres, hein, toujours en case 16. Ça ne change pas. Attendez, je regarde un truc parce que... C'est bizarre, sur une de mes vues j'avais l'impression que mon micro grésillait à fond, mais non en fait, c'est juste parce que le truc n'était pas encodé. Alors, et la fonction main, alors c'est la fonction main qui va être la plus intéressante. Alors, on va faire un premier while tant qu'on n'a pas de redstone au-dessus de la turtle, on continue à travailler. Ça jusque là, aucun problème. Le travail c'est quoi? C'est déjà une boucle de 8. Ça veut dire qu'on va simplement traverser le champ de canne à sucre, qui fait 8 blocs de largeur, enfin de longueur. Donc on mine, on avance, on creuse en dessous. Voilà, comme ça, sans problème, et on fait ça 8 fois. Une fois arrivé à la dernière canne à sucre, donc au 8e, on avance d'un, donc ce qui fait qu'on se retrouve sur le coffre. Et on fait un drop all, ça veut dire qu'on envoie tout dans le coffre, quoi. Ok, jusque-là tout va bien. Ensuite, on fait un turn right deux fois, ça veut dire qu'on fait demi-tour, hein, simplement, on fait tourner la turtle deux fois. Et ici, on a une fonction qui attend 60 secondes. Alors, j'ai pas fait un slip 60. J'ai repris le même principe que l'usine à émeraude dans Dire Wolf. C'est que j'ai mis un timer à 60 secondes. Et simplement, donc tant que le minuteur n'est pas à zéro ou que on ne reçoit pas un signal de redstone en haut. Donc si on reçoit un signal de redstone, en fait, et ben ça coupe le timer pour ensuite directement fermer le programme. Voilà. Donc ça marche exactement, hein, comme ce que j'avais fait avec la ferme. D'ailleurs, je dois toujours l'avoir d'ouvert si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Ça c'est le programme justement que je l'avais repris. Hein. Ça c'est le programme justement qui servait donc à l'usine à Emerald dans Dire Wolf. On a le timer. Voilà, le tank slip. Cette fonction là. Voilà, on retrouve un time inférieur à 0. Et la redstone back est à false. Voilà. On avait ce système là dans Dire Wolf. Et ben là, j'ai repris le même principe. Ici, sauf que je viens de me rendre compte que j'ai oublié simplement de faire. Ici, un W est égal à W moins 1. Voilà. Parce que je dois décrémenter. Et non pas incrémenter, c'est un décrément ici. Je dois décrémenter donc mon W. W comme weight. Voilà, simplement. Dans l'idée. Voilà. C'est tout con, hein, sinon. Hein. Bon, donc évidemment, au départ, je refuel. Et le drop all, je vous l'ai dit, il est ici. Voilà. Comme ça, le programme est fait. On va le tester rapidement, certainement. Allez, on y va. Ok, et tout de suite, en arrivant sur le jeu, donc je viens de relancer mon moniteur. Et donc, ma turtle est bel et bien repartie. Je n'ai pas vérifié, par contre, en bas, si elle était bien dans la bonne direction. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on a notre canne farm. Et si je lance le programme...
c'est can underscore farm lua, point lua, je veux dire. Attendez, mon micro est peut-être à peu près de ma bouche. Voilà. Can farm lua, non, alors je l'ai écrit comment? Ouais, avec deux n, simplement. C'est pour ça que... c'est ça, hein, c'est parce que la canne à sucre, c'est... Ah. Et évidemment, j'ai oublié toujours la même chose. Oula, il fait mauvais temps d'un seul coup. Oh, il fait de l'orage, dis donc. Alors, tout en bas du programme, simplement, il faut que j'écrive main, control S, control exit. Alors, oui, je veux sauvegarder ça dans... Lua Editor. Alors, juste ce qu'il me manque, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai un coffre ici et il me faut le rifle ici. Ok, et donc là on a la canform Lua. Attends, tout call nul. Où ça? Ligne 26. Ligne 26. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ligne 26, ligne 26, le save, égal, exactement, oui, vu que j'ai copié-collé, je fais appel à une fonction save qui n'existe pas, donc je vais la supprimer, exact, CTRL S, voilà, parce que oui, je faisais appel à la fonction save alors qu'elle n'est pas fail up, ok, ligne 7, pareil, je suppose que c'est la même chose. Ligne 7... ouais, ok, non, c'est parce que j'ai écrit dig down avec un underscore comme moi j'écris mes fonctions alors que c'est une fonction de computer craft qui est écrit au format camel. Pourquoi? Me demandez pas. Bon. Je crois que t'es parti une case trop loin. Et en plus, t'as pas drop down. Mais c'est normal, il n'y a pas de... donc, peut-être que j'ai compté un de trop. Donc, il va falloir que le la turtle, je la supprime. Hop, voilà, je récupère. Et on va la remettre correctement. Alors, juste, on va mettre... Ouais, allez, hop. Voilà, alors... simplement le for, vous savez, le for qui compte jusqu'à 8, je pense que je vais simplement le décaler pour qu'il compte jusqu'à 7 uniquement. Je pense que le problème vient de là. Parce que vu que le 0 n'existe pas en loi pratiquement, c'est chiant. Alors, can farm... avec un underscore... On le voit. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? bon. Ok. Ok, mais évidemment là tu n'avais rien. Alors, oui. Ah oui, attendez. Non, je sais pourquoi. Attendez. Elle est où, 4 farms? C'est parce que... C'est parce que... Non, c'est pas là, c'est dans Lua Editor. Enfin, Lua Edit. Pas... Pourquoi je dis Lua Editor, moi? Drop down, select un. Ouais, non, je descends pas pourtant. Enfin, je...
Attendez, je vérifie juste. Drop down. Non, retourne de face ou retourne trou. Ouais, bon, parce que ça, on s'en fiche, mais. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Une seconde, ouais, voilà. Bah voilà, donc il a un truc ici. Hop, voilà, il l'a miné ici. Et il l'a pas posé. Il l'a pas posé, oui, parce que il n'y a pas le chest. D'ailleurs, il est où le chest? J'avais un chest dans mon inventaire. Il est là. Donc là, voilà. Donc le petit chest ici. On va attendre les 30 secondes. Et normalement, il devrait déposer donc ces deux cannes à sucre dans le coffre si tout se passe bien. Après, bien entendu, cette tortelle, je peux très bien envoyer ces données à mon serveur web. Je n'ai qu'une table SQL à rajouter pour cela. Et puis c'est tout. Ok. Et donc là, voilà. Donc là, j'ai mes deux cannes à sucre. Et donc, elle va pouvoir gérer le stock de canne à sucre sans problème. Voilà. Tranquillement. Et juste de temps en temps, bah, je devrais passer avec avec un seau de lave. Enfin, je mettrai un seau de lave dedans. Et puis c'est bon, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. C'est tout, on va... Moi, je vais m'arrêter là. On va juste la laisser repartir encore un coup. Enfin, 60 secondes, ça va peut-être un peu de geste. Je pourrais toujours allonger le temps. Hein. Après, je refais un parse time. Mais bon, et simplement allonger le champ puis changer la durée hein, de truc. Bon, tiens, c'est bizarre, il y a une forme là. Bon, en tout cas, ma turtle, elle fonctionne. Donc là, elle est sur l'allée à 65. Allez, ah tiens, ouh, ça, c'est toi, tu m'intéresses, toi. Salut. Merci pour l'underbull. Donc elle était sur l'allée à 65 blocs. Ouais, mais 65 blocs, elle doit pas être... Ouais, si, c'est ça. Bon, et ben voilà. Coucou toi. J'ai pas regardé le contenu de la tortelle, mais bon, normalement, quand elle arrivera ici, il devrait pas y avoir de problème. Allez, on va remonter. Tiens, il y avait du fer au plafond, j'ai pas vu. Ouais, je suis plein, dommage. Je vais essayer de prendre deux trois trucs, mais à mon avis non, on veut pas. Bon,
Bon, on va essayer. Donc, je vais démolir une partie de la montagne. Et puis, enfin, ouais, de la montagne là sur laquelle on se trouve. Et puis, je vais. Et puis, on va bâtir notre base ici, à même la montagne, hein, tout simplement. Je pense avoir deux, trois bonnes idées à exploiter. Ah, ouais, je pense avoir une bonne idée à exploiter. Vous verrez ça au prochain épisode parce que je vais pas le filmer, je le mettrai à. Vous verrez au prochain épisode. Ok. Des fours en bas. J'ai un four ici. Hein. Non, j'ai pas de four ici, mais j'ai une pioche. Et de la pierre, j'en ai autour de moi. Donc. Techniquement, des fours, je peux en créer. Et ok. Bah écoutez, on se retrouve à l'épisode prochain. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mais bon, enfin, je sais pas si on va être en plein milieu d'un épisode ou pas. Donc je vous dis à tout de suite ou à l'épisode suivant.